je vais avoir un malheur. Oh, mais Charles-Henri, Solange! 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 Il n'y a rien de rigolo, ça, ça va? Ah, vous affolez pas, madame, je sais exactement ce qu'il faut. Vous êtes sûre? Mais écoutez, je ne saurais pas, vous ne seriez pas là debout pour m'en parler. Ah, mais c'est exact, ma petite Solange. On va faire comme pour vous, sur le canapé, monsieur. Mais attention, ma petite Solange. Oui? Bon, je vais prendre les épaules. Vous demandez, c'est votre mari, pardi. Et vous savez ce qu'il dit, votre chanson.
Je suis pareil au même, madame. Ah. Bon alors, bref, paraît-il qu'il a été cherché à plusieurs reprises. Et bon, avec la meilleure volonté du monde, j'aurais pas pu venir plus tôt. Ah, pourquoi? Eh ben, c'est-à-dire que, bon, j'étais très très triste. Parce que je me suis échauffé en train de préparer des serrures à mon compte.
mariée depuis longtemps? Depuis beaucoup trop longtemps. Non, je plaisante. Ah bon? Depuis 27 ans. Ah bah dis donc, ça c'est un mariage heureux, hein? Non, je dirais plutôt que c'est un mariage qui dure. Ouais. Heureusement que Charles-Henri n'est pas là pour entendre ça. Hein. Charles quoi? Charles-Henri, mon mari. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie d'autre Charles-Henri? Eh bien, il est PDG. Il dirige notre société. Ah, mais sans là, ça explique tout ça, alors. Oui. Ah ouais, mais il est où, là, en ce moment? Eh bien, écoute, il est à son bureau, il ne devrait pas tarder à rentrer. Ah, bah c'est bien. Et toi, alors, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Oh, ben moi, tu sais, je vais deux ou trois fois par semaine au dispensaire. Tu veux dire que tu t'occupes des gens démunis? Oh, le mot est un peu fort. Non, je donne un peu d'humanité dans une société où ça n'est plus très à la mode. Oh, mais c'est bien, ça. Mais à part ça, dans tes journées, qu'est-ce que tu fais? T'as bien une passion, un petit loisir? Oui, j'adore la danse. La danse, c'est génial, ça. Et quel genre de danse, alors? Le rock'n'roll, ça. Waouh! Tu aimes le rock'n'roll? Un peu. Bon, je connais pas toutes les passes, mais... Et dis donc, là, on est tous les deux, tu pourras pas me faire un petit cours, là, vite fait, là? Là, tout ouais, de suite? Ouais, là, il y a de la place, non? Ah, non, non, sûrement pas. Hein? Charles-Henri va rentrer d'une minute à l'autre, et il est déjà assez perturbé par ton arrivée sans que j'en rajoute. Perturbé par mon arrivée? Ah oui, ce matin, quand il a appris que j'avais un frère, il a tellement été heureux qu'il s'est évanoui. Bon, sans blague, il est tombé dans les pommes? Oui. Ah, mais ah. Il est fragile, cet homme-là. Il va mieux, c'est l'essentiel. Ah. Voilà, je crains que le petit cours de rock soit reporté. Ah, parce oh, qu'il a des principes et il est d'un chien. Bon, oh, ouais, Frangine, vas-y, on le fait vite fait avant qu'il réplique, là. 2 minutes 35 de bonheur, c'est pas... Oh. C'est vite fait, allez. Oh, puis oui, tu as raison, tiens. Au bout de ma 47e année, j'apprends que j'ai un frère. Eh bien, soyons dignes de ce cadeau inattendu. Allez, hop, on y va. Ouais, c'est bon, tiens. Hey, t'as de la musique, là? J'ai tout ce qu'il faut. Ouais, moi, ouais, je m'échauffe. Allez, on dis donc. J'espère seulement que Charles-Henri n'arrivera pas au même moment. Bah, t'inquiète pas, on lui dira que c'était pour fêter ta bienvenue. Alors, attends. Hop. Alors? Eh ben alors, on est dans de beaux draps.
Tiens, refais des siennes, tonton Charlie sera là. Mais je ne vous permets pas de me tutoyer, hein? Bon, écoute, on est de la même famille, non, on va pas faire de chichi. La même famille, c'est vous qui le dites, hein? Et à propos, Franchine, faudrait que je te remercie pour le petit rock de tout à l'heure, hein. C'était génial, hein. Faudra qu'on remette ça, hein. Eh bien, avec joie, mon petit Charlie, avec joie. Au fait, ma chère, que faisiez-vous debout sur le sofa grillé comme un gréviste? Eh bien, j'étais tellement heureuse d'accueillir mon frère que nous avons dansé en l'honneur de nos retrouvailles, hein, mon petit Charlie? Ouais, et au fait, faudrait que je te remercie aussi de me permettre de rester ici, c'est sympa, ça. C'est tout naturel, c'était la dernière volonté de papa. J'avais oublié celui-là. Dites-moi, mon vieux, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes marié? Non, pourquoi, mon beau, tu veux m'épouser? Oh. Et ça me permet de confirmer la juste opinion que j'ai eue là, de la nature humaine. Et à part ce que vous êtes dans quoi? Ah, ben moi, je suis dans le chemin. Mais comme quoi, c'est formidable, la vie. Hein. Non, mais jamais j'aurais imaginé habiter dans un palais sacré. Hein. Ouais. En tout cas, Franchine, je te redis merci, hein. Mais tu as raison, mon petit Charlie, on se refera ça le plus tôt possible. On se fera le petit rock, ouais, d'accord. Oui. Bon, ben, hey, je vais monter mes affaires, alors, c'est où? Premier étage, troisième porte à gauche. D'accord. Bon, ben, merci, hein. Et puis, pour le petit rock, hein, t'as compris, hein, quand on veut, hein. T'inquiète pas, on allez, salut, Franchine. Pas qu'il va rester ici. Ah, ne recommencez pas, Charles. Il restera le temps qu'il le voudra. Bon, vous avez vu le phénomène. Ah, vous, forcément, si on ne porte pas le costume, la cravate et qu'on ne parle pas comme un académicien, on est forcément un marginal. Ah, vous voyez, c'est vous qui le dites, vous êtes un marginal. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Oui, mais vous l'avez dit quand même. Hein? Mais c'est une comparaison, voilà tout. Oh. Je vous confirme que votre comparaison est tout à fait juste et appropriée. Mais hein? Comparaison n'est pas raison. Oui. Pourquoi êtes-vous aussi négatif avec lui? Vous ne le connaissez même pas. Oui, bien, le peu que j'ai vu m'en suffit pour le connaître, hein? Ben, vous devriez faire attention, Charles. Ben, attention à quoi? À ne pas devenir comme votre mère. Mais il ne s'agit pas de ma mère pour l'instant. Il s'agit de votre supposé frère. Mon supposé frère? Mais oui, Anne-Sophie, vous n'allez pas croire que ce marginal est votre frère, votre sale frère. Parce que quand je suis rentré ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai le salon de l'agriculture qui m'est passé sous les yeux. Eh ben, vous êtes une méchanceté tristement naturelle, Charles-Henri. Moi, méchant, mais plus, ma pauvre Anne-Sophie. C'est bon, 3 jours par semaine, le dispensaire qui me monte à la tête, non?
bien sûr qu'il va rester ici. Vous pensez bien, vous le verriez, mère. Un véritable marginal, un pur produit de la rue. C'est un véritable parasite. Ah, alors recommencez pas tous les deux. Avec l'arrivée de mon frère cet après-midi et le dîner de ce soir, la journée est exceptionnelle. Alors ne me la gâchez pas. Ben ça y est, encore sa crise. Bon, ça suffit maintenant, hein. Eh bien, vous avez raison. Je vais monter dans ma chambre voir si mon frère n'a pas besoin d'aide. Oh là 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 là. Eh bien, je la préférais quand elle était en pleine vie. Mais qu'est-ce qu'il m'y prend? Eh bien, c'est depuis que son frère est arrivé. Eh bien, il va falloir vite le faire repartir. Parce que je ne vais pas supporter longtemps de l'avoir en forme de cette façon. À mon avis, il est grand temps, mais grand temps d'attaquer les calmants. Non, mais tu as vu comment elle t'a parlé. Oui, mais je n'ai pas voulu me montrer parce que vous étiez là. Dès que nous serons dans l'intimité, je vais la moucher. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Papa, c'est moi. T'as de la porte qui est liée, je peux encore bloquer. C'est pas vrai. Solange! Oui, monsieur. Venez ici immédiatement. Arrêtez d'être aussi... Quelle effrontée, hein. Je veux que vous, dans, vous soyez ici dans les 10 secondes qui suivent. Immédiatement. Papa, Solange, derrière la porte, avec moi. Eh ben, dis-lui. Quoi? Oui, j'ai accompagné Solange au supermarché. Au supermarché. Bon, alors, poussez sur la porte le plus possible. Allez, poussez! Mais poussez! Oh, vous retombez bien, vous! Ah, quelle horreur! Ça va, Solange? Oh, mais pourquoi? Merci, monsieur! Oh, quelle scène honteuse! Quelle scène honteuse! Ah, mais parce que là, j'étais un peu trop près, hein! Ça va, ma bouche! Qu'est-ce que c'est que cette bouteille? C'est maman qui nous a dit de prendre ces bouteilles pour le dîner de ce soir. C'est tout! Oui, ben, je vais aller les mettre au frigo, au réfrigérateur! Eh ben, faites donc ça! Je vais vous aider! Grégory! Je vais aider Solange en cuisine! Grégory! Il devient de pire en pire. Ce matin, au petit déjeuner, alors que je remontais gentiment le moral de ta femme, eh bien, il s'est mis avec un de ses filles à me crier dessus. Ne parlez pas de ma... Il devient comme sa mère, voilà tout. Ne parlez pas du malheur, mère. Oh. Ah ben, c'est la cerise au-dessus du gâteau, ça. Ben quoi? Ben, le frère de ta dégénérée de femme. Il est bête et ça, c'est une sale bête. Il ne faut pas qu'il reste ici. Il va tout nous voler. Il faut que nous complotions quelque chose afin que cette voisine retourne tout lui bien. Oui, mais comment va-t-on s'y prendre pour faire partir ce résine? Eh ben, tu sais à quel point ton idiote de femme adore par-dessus tout son chandelier. Elle dit que l'esprit de sa mère est à l'intérieur. Pauvre fille! Oui, mais alors comment va-t-on s'y prendre? Eh ben, nous n'avons qu'à le faire disparaître et accuser son frère. Maman! Vous êtes géniale! Mais alors, comment va-t-elle croire que c'est son frère qui lui a volé? Mais ne t'inquiète pas, Charles-Henri! Je m'occupe.